Donc là, on enlève les cadres avec du miel de la hausse. Ici, il y a rien. Un petit peu. Et on chasse les abeilles avec une brosse. Il est un peu plus gros, non? Quand un cadre fait 2 kg, déjà c'est beau. 2 kg, 2 kg et demi, je veux dire. Là, il fait 1,8 kg à peu près. La hausse? Oui, celle-ci. Il va se poter chez toi. Une fois qu'on a retiré la hausse, on jette un coup d'œil au corps de ruche, histoire de voir si elle est en bonne santé ou pas. Oh bah là mon vieux, ah. Bah bon là c'est même pas la peine de trop les serrer, parce que je veux dire c'est excellent quoi. Non il est beau, tu emmerdes pas, ouais. C'est pas la peine. Un petit coup, hein. Ouais. Et ça tu t'en sers pour prendre ton prochain pour passer contre tes corps l'intérieur quand tu veux choper des dessins, tu vois, t'as de la propolis, t'as de la cire. Ok, on a fini de récolter, on passe à l'extraction. Voilà, alors la partie supérieure, on appelle ça l'opercule. En fait, l'action qu'on mène là, c'est on désopercule les cellules de façon à pouvoir extraire correctement. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est solide. Ça paraît pas comme ça. Hein. Enfin, quand tu tournes, même avec la fine couche, ça bouge pas. Ouais. Ah oui, d'accord. Tournez les manivelles. Appuie dessus comme ça. Ouais. Hop. Et voilà, l'extracteur. Ce qui fait que là, le miel part sur les parois de l'extracteur et on part en autre sens. Ça sent bon, hein. Ça vaut cher, ça. Bah, je veux bien croire, c'est pas produit non plus en. Et puis c'est intéressant parce que tu mettais 9 cadres. T'as pas à faire. Et ça se fait dans les deux sens. Et ça se fait dans les deux sens. T'en as, il faut retourner. Ouais. Ou le cadre, en fait, tu le mets pas comme ça, mais tu le mets comme ça. Du coup, comme il n'y a qu'un côté qui sort, t'es obligé de retourner tes mains. Ah, bah oui. Ça c'est radiaire et les autres c'est longitudinal. Je comprends. Ouais. 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 Il est plus léger. Oui. Là, vu d'œil, toi qui as l'habitude, tu dirais qu'il y a combien de kilos? Par rapport au cas, est-ce qu'il y avait. J'ai vu qu'il y en a qui mettent des filets pour extraire ça justement. Ils mettent un filet qu'ils foutent là-dedans, tu sais. Non, mais là, tu vois ce que je veux dire.
la cire, mais tu le mâches comme ça, quoi. Ouais. Moi, les enfants, quand je faisais des cours, de moi, des trucs dans les écoles, ils aimaient bien, tu vas mâcher ça, tu vas mâcher la cire comme ça avec le miel, c'est... Voilà, première récolte de Quentin avec ses 35 000 abeilles.